Je m'appelle Jack O'Neill et mon histoire a commencé il n'y a pas si longtemps au cours d'un bel après-midi de printemps alors que je me promenais en moto dans la campagne. Sans que je le sache, des événements se déroulaient et qui allaient changer ma vie et peut-être la vie de tout le monde pour toujours. Tout a commencé avec un vaisseau spatial lancé à la poursuite d'une voiture. Ah, ça va pas, non ? Commencez séquence de tir. Paré à tirer. Dans le ravin. Il faut que j'aille aider. Tu dois revenir.
Il faut que tu reviennes. Viens m'aider, viens m'aider. Aide-le. Il le faut. Reviens. Par là-bas! Ah! N'aie pas peur, il faut m'aider. Par là se trouve ma forteresse cachée. Aide-moi jusqu'à la cascade. Ma mission est vitale. Je vous tiens, je vous tiens. On arrive. Voilà ma forteresse. Ça alors ? Aidez-moi. Je dois finir ma tâche. Ne t'éloigne pas de là, je vais disparaître. Où est-il passé? Et qu'est-ce que c'est que cet endroit? N'aie pas peur du robot panthère, il n'est pas ton ennemi. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais t'octroyer une puissance surhumaine. Prépare-toi. Voilà, c'est fait. Tu porteras le nom d'Eldor. Pourquoi m'as-tu fait cela? Regarde l'écran et tes questions trouveront réponse. Je suis le justicier du système sidéral de Tau Ceti. J'ai besoin de ton aide. Il y a quelque temps, j'ai emprisonné un criminel du nom de Karzun. Mais il s'est échappé et a juré vengeance contre moi. Il a kidnappé ma fille et s'est enfui vers votre planète. Karzun a aussi volé les plans que j'avais élaborés pour la construction d'une forteresse sidérale. Et je le soupçonne d'être en train de la bâtir quelque part ici sur la Terre. Une fois cette forteresse édifiée, sa puissance sera terrible et menacera même les vôtres. J'ai essayé de le détruire et de sauver ma fille. Mais ces guerriers m'ont attaqué. Eldor, je t'en prie, sauve ma fille pour moi et la Terre pour votre peuple. Comment puis-je faire? Je t'ai donné une force surhumaine et une intelligence et un courage surhumain. Je t'ai donné une combinaison en fibre électrique. Pourquoi ne pas travailler ensemble? Mes blessures sont mortelles. Je mourrai bientôt. Mes instants sont comptés. Mais sache que ton équipement électrique ne devra être utilisé que pour des causes justes. Ce n'est que dans ces circonstances qu'il te donnera la force. Tu devras cacher l'identité véritable, car ils seront nombreux ceux qui voudront te détruire ou voler tes pouvoirs. Maintenant, va à Eldor. Ton compagnon Pantera t'aidera à surmonter les obstacles. J'ai bien compris ton message, étranger. Je continuerai ton œuvre. Bonne chance.
pour toujours. Elle dort. Oh zut, je suis en retard. La conférence du docteur Stenson doit être commencée depuis un moment. Et maintenant, mesdames et messieurs, les raisons pour lesquelles j'ai construit cet homme de bronze. Docteur ? Ah, te voilà enfin. Bon, tu as les diapos ? Oui, docteur. Bon, alors très bien. Va vite les charger, s'il te plaît. Oui, docteur. Allez, va vite. Et dès que tu es prêt, on y va pour la projection. D'accord. Bien, si tout le monde veut bien regarder l'écran... Cet homme de bronze a été conçu pour bouger avec la même facilité que nous. Il peut accomplir de très nombreuses tâches, telles que la construction de bâtiments, de ponts, de cités souterraines et même sous-marines, et de relais de télécommunications. Il est idéal pour les constructions spatiales, car il n'a besoin d'être protégé ni contre le vide, ni contre le froid de l'espace. Son corps, en alliage de titanium, peut résister à une chaleur de 18 000 degrés. Il s'agit donc d'un robot multifonctionnel pouvant être utilisé dans une grande variété de situations différentes. Pardon, docteur, quelle est la force véritable de l'homme de bronze, hein? Sa force est supérieure à celle de toutes les machines jamais créées. Il sera la merveille de notre temps et apportera beaucoup à notre civilisation. Oh. Voilà, j'ai terminé. Ce sera tout pour l'instant. Merci à tous. Et c'est pour toi que c'est terminé, surtout. Eh bien, je crois, les enfants, que cette conférence de presse a été un grand succès. Je crois qu'ils ont vraiment été impressionnés. Quand est-ce que l'homme de bronze sera terminé, papa? Il faut que j'attende la subvention, tu sais. J'espère qu'elle viendra vite. Ce sera formidable de faire marcher ça. J'ai vraiment... Docteur, vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir quelqu'un quelque part qui tente de nous voler l'homme de bronze? C'est possible. Ça pourrait devenir une arme terrible s'il tombait entre de mauvaises mains. De faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, attention! Oh. 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 Mais qu'est-ce qu'il veut, ce type? Surtout restez calmes, les enfants. Docteur, je veux les plans de l'homme de bronze. Vous êtes complètement fou! Mais non! Pas toujours s'arranger. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Hein? Mais qui êtes-vous d'abord? Allez, ne faites pas le malin et donnez-moi ces plans et plus vite que ça. Hein? Quoi? Oh non! Oh! Très bien, alors combien tu veux? Écoutez-moi bien. Ces plans ne sont pas à vendre, ni à vous, ni à personne d'autre. Je vous donne 3 secondes pour dégarpir et pas une de plus. Fichez le camp et en vitesse! Et écoute bien, ce robot est à nous. Regarde autour de toi, que ça te plaise ou non. Oh, les cerner. Ils sont partout. Oh mon Dieu, il y en a partout. Sortez de la voiture, vous entendez? Allez, et puis que ça saute, hein. Non, papa, il ne faut pas. Ne fais pas ce qu'il dit. Jacques, attention, n'y va pas. Reviens. Jack! Tu ne m'échapperas pas, petit morveux. Ne crois pas que tu puisses m'échapper. Sors de là, allez! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, papa? Je ne sais pas, je crois qu'il va falloir faire ce qu'il dit. Ha ha!
c'est que ça? Mais d'où sors-tu, toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? On m'appelle Eldor. Et toi et tes acolytes, vous avez trouvé à qui parler? Allez, les gars, tirez! Tirez-lui dessus! Allez, allez, tirez! Allez vite, docteur, partez d'ici! Mais qui êtes-vous? Eldor! Partez vite! Allez, viens vite, Bonnie. Eh, bande d'imbéciles, qu'est-ce que vous attendez pour le liquider? Qu'est-ce que... Incroyable! Ce doit être les acolytes de Karzoun. Papa, je me demande ce qui est arrivé à Jack. Moi aussi. Il va falloir retourner pour le chercher. Regarde, papa, il y a quelqu'un là-bas sur la route. Fais attention. Mon Dieu, mais c'est Jack! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va? Mais comment es-tu arrivé jusque-là? Je ne me souviens plus, j'ai reçu un coup sur la tête et excusez-moi d'être parti. Ça ne fait rien, fiston, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. Alors, rentrons à la maison. C'est une bonne idée. Oh oui, Alain. J'aurais pas eu besoin d'Eldor si j'avais été là pour te protéger. Moi, j'aurais pu envoyer tous ces gars au tapis tout seul, moi. Dommage que tu aies pas été là, Dieu, qu'on aurait pu les écraser en te faisant rouler dessus. Bonnie, ne sois pas méchante avec ton frère. Quant à toi, Dieu, ce n'est pas la peine de te vanter. Tout le monde connaît ton courage légendaire. Papa, Jack est un petit peu étrange ces temps-ci. Effectivement, il y a quelque chose qui le préoccupe, mais je ne sais pas quoi. C'est un minable, c'est tout! Duke, tu es injuste. J'aimerais bien que tu montres un peu plus de respect envers Jacques. Papa! Viens, Lily, viens, ma toute petite. Papa, tu sais où est Jacques? Je le cherche partout. Non, je ne l'ai pas vu, ma chérie. Peut-être qu'il a vu son homme, ça lui a fait peur, il s'est enfui. Et si tu me donnais quelques-unes de ces délicieuses pommes... Oh, espèce de cochon, elles étaient pour Jack, ces pommes. Quand je pense qu'il y a déjà 10 longues années que le père de Jacques est mort, le docteur O'Neill, c'était un très grand chercheur, c'était aussi mon ami. Il m'a laissé son fils, Jack. Jack était tout petit à l'époque, et il pleura tant quand il perdit son père. Ma Bonnie était sa seule amie. Mais il était toujours très timide, et avec les autres, ça n'allait pas, il se moquait de lui. Il ne se joignait jamais au jeu des autres garçons, il restait à l'écart, il regardait faire. Et puis il a grandi, il s'est devenu un beau jeune homme, intelligent, ardent, un peu timide parfois. J'espère avoir fait de mon mieux pour lui. Même les petits canards ont quelqu'un qui s'occupe d'eux. Thank you.
Ne pleure pas, mon petit. Ne pleure pas. Je sais que ça a été dur de grandir sans parents. Mais tu fais partie de notre famille maintenant. Bonnie, Nelly, Duke et moi, nous t'aimons vraiment beaucoup. Tu sais, docteur, ça va aller. Jack? Jack, prends cette pomme. Je l'ai gardée pour toi toute la journée. Allez, quelque chose à manger, moi. Ça me fait toujours du bien. Courage. Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon pied! Viens, je vais te porter! Je veux que Jack me porte. Mais Jack, il peut pas te porter! Ne t'inquiète pas, Nelly, je vais te porter. Viens! Tombé du nid. Regarde, Nelly. Regarde, Jack, voilà son nid. Tiens, bon, ne bouge pas. Duke, on y est. Voilà, ça y est, ça y souffle. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2
est-ce que ce foussard de Jack Hill est allé se cacher, hein? Tu viens d'où, toi? La petite Nelly à manque de stuit, tout ce que tu sais faire, c'est filer comme un lapin? Oui, espèce de gros peureux, va-t'en, je ne veux plus jamais te voir, d'abord! Gros peureux, hein? S'il savait. Commandant, la mission de... Imbécile. Mais, c'est-à-dire, mon commandant... Je... Pas d'excuse, espèce de sinistre idiot. Comment a-t-il pu rater une mission si facile? Je vais m'en débarrasser une fois pour toutes. Non, papa, écoute. Qu'est-ce que tu veux? Papa, je crois qu'il faut donner à Marzak une dernière chance. Ah? Oui, et j'aimerais l'accompagner cette fois-ci. Si tu crois pouvoir être utile, d'accord. Arrête de ronfler! Quoi? Qu'est-ce que ça donne, ça? Bon, évidemment, oui. Équilibreur. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui. Bon, mon étage. L'équilibreur gyroscopique peut être réduit. Regarde, ça marche parfaitement. Notre appareil d'écoute nous relaie l'information parfaitement. Et ce sont bien là les plans de l'homme de bronze. Extra. Je crois que je vais aller me coucher. J'en ai assez fait pour ce soir. Parfait, Dr. Stenson va se coucher. Allez, Marzak, c'est l'occasion ou jamais. Allons-y. Préparez l'approche souterraine. Ça va, tout fonctionne normalement. Très bien, très bien. Augmentez la vitesse. D'accord, Marzak. Surface. Ouais, ça y est. On y est. On est passé. On est passé. L'alarme laser. L'alarme laser. C'est pas ça qui va nous arrêter. Nous allons utiliser le neutraliseur. Hein? Hein? Duke, réveille-toi. Réveille-toi, je te dis. Mais réveille-toi, il y a quelqu'un qui essaie d'entrer. Quoi? Quoi? Le petit déjeuner déjà, quoi? Hein? On essaie d'entrer. Réveillez-vous tous! Oh mon Dieu, trop tard. Ils sont partis par ce tunnel. Jacques, je crains bien que le monde entier ne soit dans un grand danger. Hé, Jack! Mais pourquoi est-ce qu'il s'en va comme ça? Hein? Jack! Voilà, Marzak, cette mission a été un succès complet. Oui, maintenant l'homme de bronze est à nous. Et tout ça sans qu'Eldor se rende compte de rien. Pas si vite. Hé, tu as parlé trop vite. C'est Eldor. Viens, Pantera.
On va la voir. Prenez, Pantera. On va l'écraser. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Eldor arrive, attention. J'attends ce moment depuis longtemps, Eldor. Cette fois, c'en est fait de toi. Allons-y, Marzak. Attention, la panthère. Jolie, jolie, mais mortelle. Ouais. Où est-il? Oh, hey, c'est raté, mon vieux. Prends ça. Tu vas voir. Gare à mon fouet à neutrons. Oh! Absolument ramener les plans. Je tiendrai aussi longtemps que possible. Mais emmène les plans. Vas-y, maintenant, cours. Cours, je m'occupe d'Eldor. Allez, cours. Regarde à toi, Marzak. Mmh. Tu vas mourir. J'ai deux fous pour toi, Marzak. Quel homme courageux, ce Marzak. Eldor et sa panthère auront sûrement raison de lui. Mais les plans sont plus importants. Viens, Pantera, il faut la rattraper. Elle s'échappe. Pas si vite, Eldor. Le stylo, il faut que je prenne le stylo. Bien joué, Pantera. Elle s'est échappée, mais nous la reverrons. Au moins, on a Marzak. Allons-y. Très, très, très intéressant. Mais c'est passionnant, ça. Qu'est-ce que cela pourrait bien être, Dr. Stenson? On dirait une espèce d'explosif miniaturisé. Et ça a l'air très, très puissant. Quoi ça sert? Ben, je ne sais pas. En apparence, ça a l'air d'un stylo à plume ordinaire. Mais en fait, il s'agit d'une bombe très sophistiquée. Et papa? Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? Il est revenu à lui? Il cherche son stylo. Ah ah, voilà qui est susceptible de nous éclairer. Allons voir un peu. Je suis. Oh, ils ont enlevé toutes les charges, on dirait. Content de vous voir ressuscité. Nous avons quelques questions à vous poser. Il va falloir nous répondre. À propos, je crois savoir que vous cherchez ce stylo. Je vous signale qu'il contient un explosif très puissant. Votre patron avait sans doute l'intention de vous tuer en cas d'échec. Oh, c'est un mensonge, vous racontez n'importe quoi! N'en soyez pas si sûr, mon ami. Il est conçu pour exploser dès qu'on enlève le capuchon. Non, il ferait pas ça, c'est pas vrai! Il va me sortir d'ici, je vous le dis, moi! Ah, vous croyez? Il me protégera! Si tu es en danger, active cet appareil pour appeler, mais fais-le uniquement en cas d'échec. Tiens, et garde-le toujours sur toi. Merci, commandant, je n'oublierai jamais que vous m'avez sorti de là. Diok, voudrais-tu, s'il te plaît, apporter ce qu'il nous faut pour notre petite démonstration? Oui, chef. Mets-le là et ouvre-le. Mon cher Marzak, j'ai là une petite expérience qui va beaucoup vous intéresser. L'explosion est réglée pour se déclencher dans 3 secondes exactement. 1, 2, 3. Oh,
Maintenant, vous savez quel genre de bête sauvage vous servez. Il semble faire peu de cas de votre sécurité lorsqu'elle entre en conflit avec ses ambitions. Karzoun, espèce de traître, je me vengerai, tu verras, Karzoun, tu verras. Maintenant, Marzak, vous allez me dire immédiatement où se trouve le quartier général de Karzoun. D'accord, je vais vous le dire. Sa base est cachée dans les massifs de l'Himalaya. Ses coordonnées sont Qu'est-ce que c'est, docteur? C'est quelque chose d'épouvantable. Mais qu'est-ce que c'est, ce haut? Oh mon Dieu. Dis-moi, papa, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est? C'est un cyborg. Marzak est mi-homme, mi-machine. Qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire? Et c'est tout ce que vous pouvez nous dire, docteur? Nous avons une bonne raison pour penser qu'il disait vrai pour l'Himalaya. Mm-hmm. Je recommande que nous gardions le secret absolu. Si les gens dans le monde savaient tout cela, il pourrait y avoir une grande panique. Comme vous voyez, le plus urgent, c'est de retrouver la base de Karzoun et la détruire avant qu'il ait pu achever l'homme de bronze et le programmer contre nous. Pour ça, il nous faut l'aide de tous vos moyens militaires. Avant d'autoriser une telle action, je veux questionner le prisonnier moi-même. Eh bien, docteur, où est-il? Oh. Mais... comment a-t-il pu s'échapper? Karzoun a dû le reprendre, mais pourquoi? Ne vous inquiétez pas, docteur. J'envoie une équipe de reconnaissance pour essayer de localiser la base de Karzoun. Allô, Ford Intervention 09. Commencez, plan de vol autorisé. À vous. Ici chef de groupe, demande autorisation de décollage. Moins 35 minutes de l'objectif fixé. À vous, chef de groupe. À vous. Programmez coordonnées de recherche et activez poursuite automatique. À vous. Bien reçu. À vous. Et voilà, on y va, les gars. Sinistre imbécile, ils ne trouveront jamais cet endroit. Pourquoi est-ce que ce projet est si en retard, Ivanov? Combien de temps encore vas-tu me faire poireauter? On a seulement un tout petit peu de retard au grand Karzoun, c'est tout! C'est Marzak! Hein? Marzak, je croyais en avoir fini avec toi! C'est raté, Karzoun! Comment oses-tu me braver, espèce de bon à rien? Prépare-toi à mourir, Karzoun. Non, Marzak, il ne faut pas. Tu ne peux pas. Ne te mets pas sur mon chemin. Écarte-toi. Non, Marzak, non. Tu ne tueras pas mon père. Tu n'es pas de son sang. Il t'a enlevé et il a tué ton vrai père. Oh. Il ment. Ne l'écoute pas. Tu sais très bien que je suis ton vrai père. Non, Karzoun. Tes guerriers bourdons ont tué le père de Marina, mais tu as essayé de me tuer, moi aussi. Mais ton heure est venue, je vais t'empêcher de poursuivre tes cruautés, c'est fini pour toujours. Très bien, si tu es si sûr de toi, mais n'oublie pas à qui tu parles. Je ne supporte pas les menteurs, j'espère que tu n'as pas cru ces mensonges, n'est-ce pas? Marzak, tu as tué Marzak. Il avait besoin d'une bonne leçon. Personne ne saurait menacer Karzoun, personne. Oh, pauvre Marzak. Arrête de pleurer sur lui, Marina, il n'en valait pas la peine. Oh, je ne te crois pas. Marzak. Oh.
m'avez pas invité d'abord. Duke, tu vas bien? Eh, mais où est cette mouche? Ah, voilà, cette vilaine mouche. Ah! Mais t'inquiète pas, je l'ai eu, il te fera pas de mal. Tu te moques de Jack parce qu'il est peureux, mais toi, t'as même peur d'une mouche, dis donc. Eh, mais je croyais que c'était une mouche robot. Idiot. Qu'est-ce qu'il y a, colonel? Mon général, l'homme de bronze a été terminé et il vient vers nous. Les dégâts sont terribles. Carson! Même les missiles et les bombes thermiques n'ont pas réussi à l'arrêter. Peut-être que le docteur Stenson... Allô, ici docteur Stenson. Qui est à l'appareil? Nos pires craintes sont hélas réalisées. Il va falloir trouver un plan et au plus vite. Sont inutiles. Donnez l'ordre de cesser le feu! Arrêtez tout! Nous sommes là, mon général. Vous arrivez bien, docteur. Vous tombez à pic. Les grenades, les missiles, tout ce qu'on lui envoie rebondit sur lui comme du caoutchouc. On dirait qu'il est indestructible. Extraordinaire. Il a été bâti exactement selon mes spécifications. Ils ne peuvent rien contre moi et mon homme de bronze. Bientôt, je les aurai tous à ma merci. Il recommence à avancer. Comment l'arrêter? Ouais. Il y a peut-être un moyen. Peut-être. Peut-être. Peut-être peut-on arriver à le contrôler sans le détruire. Si vous avez un plan pour l'arrêter, docteur, il faut nous le dire tout de suite. C'est une mission très dangereuse pour un homme seul, général. Mais dites-nous vite! Quelqu'un doit essayer de pénétrer à l'intérieur de la zone de commande du robot et remplacer le programme principal par celui-ci. Moi, je vais le faire, papa. Allez, toute moi ce disque et tu vas voir. Tiens. Arrête, Duke. Ne fais pas l'imbécile. Arrête, bon sang. Arrête, je te dis. Jack, arrête, Duke, avant qu'il ne soit trop tard. Vite. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang? Vous vous rendez compte que ces sous-développés ont envoyé un petit gros contre nous? La victoire est à nous. C'est exactement comme escalader un arbre pour avoir les pommes. Ça va être simple. C'est pas si facile que ça. Et gros tas de ferraille. Ah, tu vas voir, gros tas de ferraille. Duke. Duke. Mais qu'est-ce que c'est? Te voilà, Dame Nildor. On va voir comment tu t'en sors ce coup-ci. C'est l'occasion de le détruire pour de bon. En avant, Pantera. Va sauver mon compagnon. Et maintenant à l'attaque. Voilà qui devrait le freiner un peu. Tu vas voir! Et quand?
Je suis toujours vivant. Je crois pas mes yeux. Allez, va voir de quel point je me chauffe, celui-là, tiens. Fais-moi le programme, Duke. Elle dort? Ah oui, le disque. Mais où est-ce que j'ai bien pu le fourrer? Par là? Par là? Allez, allez, vite, donne-le-moi. Oh, bah il est peut-être là, alors pas... Ou là? Le temps presse, Duke. Le voilà. Le voilà. Bravo, Duke. Chauffer un bloc, hein? Imbécile! Plus ils sont grands, plus ils tombent de haut. Frappez-vous la poitrine! Oh! Bravo! Ah oui, c'est du travail propre. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de lui laver les pieds. Dans le poste de commande. Mais où? Attention, repliez-vous. Ce mauvais fonctionnement n'est nullement de ma faute, au grand et vénéré Karzoun. Ah, ils me le paieront. Et maintenant, l'homme de bronze est de notre côté, hein, Bonnie? Hein? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est nous qui contrôlons l'homme de bronze et nous allons pouvoir le rendre à sa destination première, celle de servir l'homme. Très bien. C'est pas juste. Après tout ce que j'ai fait, ils ont même pas parlé de moi dans les journaux. Alors, pourquoi l'aurait-il fait? T'as fait que mettre la paillasse, c'est Eldor qui a tout sauvé. Ah ben je suis quand même pour quelque chose. Tu serais pas ici en train de te vanter si notre Eldor ne t'était pas venu en aide, alors. En tout cas, j'en ai fait plus que Jack. Il avait tellement la trouille qu'il a fichu le camp dans les bois pour se cacher. Il est revenu que quand tout a été terminé. Je trouve dommage que personne ne sache reconnaître le vrai courage quand il se manifeste. C'est pas juste. C'est pas juste, tiens. Bon, au fond, c'est tant pis pour vous. Il vous manque quelque chose, là, puis c'est tout. Pour qui tu te prends, monsieur outre gonflé? Un jour, mon nom sera synonyme de héros. Alors... Ton seul héroïsme est la taille de tes sandwichs. Eldor me le paiera très cher. Eh, Patrick, je crois que j'ai une idée. Quoi encore? Je crois qu'avec un peu de psychologie, on pourra reprendre l'homme de bronze. Et qu'est-ce que tu proposes, Ivanov? On pourrait utiliser Marzak. Oui, tout ce qu'on a à faire, c'est... Seulement que je libère Marzak. Marinam, que fais-tu là? Marzak, je viens de libérer. Nous sommes tous en danger. Éloigne-toi que je découpe ces barreaux. Tu me trahis. Ne crois pas que ces actes resteront impunis. Enfermez-les tous les deux.
Ah, bientôt l'homme de bronze sera prêt à décoller. Formidable. Docteur, on a reçu un message de Marzac. Quoi? Il dit qu'il veut vous parler à vous, personnellement. Marzac? Allô, Marzac? Qu'est-ce que vous dites? Ce sont les coordonnées exactes de la base de Karzoun? D'accord, très bien, entendu, parfait. Voilà, général, maintenant que nous avons la position exacte du repère de Karzoun, je crois qu'il faut envoyer l'homme de bronze immédiatement pour l'attaquer. Mais, au fait, où est Jacques? Est-ce que quelqu'un l'a vu quelque part? Oh non, il a disparu il y a déjà un bon moment. Oh, quelle importance! Tous ceux dont tu peux avoir besoin sont ici, papa. Bon, très bien. Hein? Mais faites très attention, n'oubliez pas que cette mission est capitale. Dépêche-toi, Buddy! J'arrive, Duke. Bonne chance à tous les deux. Commencez les procédures de décollage. Bon, je vais prendre le relais, Duke. D'accord, si tu veux. Bon, je passe sur automatique. Oh, regardez par là-bas, Docteur Stenson. Toutes ces années d'efforts, enfin abouti. Bonnie, Duke, permettez que je me joigne à la fête. Hé, hey, qui c'est qui cause dans le poste, là? C'est Aldor. Bienvenue parmi nous, mon ami. Mais on n'a pas besoin de lui, Aldor, hein, maintenant qu'on... Tu peux retourner sur Mars de là d'où tu viens, allez, hein, oh! Oh, Duke, comment oses-tu lui parler comme ça? Ne t'inquiète pas, Duke, je ne te gênerai pas le moins du monde. Je viens là seulement pour me promener. Bon, alors d'accord, Aldor, mais tu restes en dehors, hein? Peux-tu penser à te remplir la panse en un moment pareil, alors que la sécurité du monde entier dépend de nous? Faut pas que je déperdisse, non? Pour une fois, t'as raison, grand frère! Oh! Oh! Fiche pas le camp, toi! Comment es-tu arrivé ici? Hé, hey, rendez-moi! J'ai faim, moi! Oh, Duke, tu devrais partager avec Nelly. Préparez-vous, les amis, on se rapproche de la cible. Nelly, tu as intérêt à te cramponner. Oh, regardez, patron, il tombe dans notre piège. Espèce d'abruti, tu crois que je l'ai paré, moi aussi? On dirait que c'est désert. Peut-être qu'ils ont pris peur et ils sont enfuis. C'est très étrange, tout ça. C'est très mauvais signe. Il faut aller voir de plus près. Poste de tir. Poste de commandement. Voilà Marzac. Allez-y, les gars. Traversons ce mur ici. En avant! On y va! Un coup d'énergie devrait le ranimer. Marzac! Marzac! Réveille-toi!
Oh. Eldor ? Mais qui t'a conduit ici ? Tu as contacté le Dr. Stenson ? Non, c'est pas moi. C'est un piège de Karzoun. Tu vois ce couloir là-bas ? Au fond, il y a une pièce où Karzoun a placé un dispositif d'autodestruction. Et il l'a sûrement réglé pour qu'il se déclenche pendant que tu serais là. Il n'y a pas une seconde à perdre. Allons-y. Par sans moi, il a laissé ici un groupe de scientifiques qu'il a utilisé. Ils sont enfermés quelque part. J'irai les relâcher. Karzoun est parti vers Mars dans sa forteresse sidérale et il tient Marinam en otage. Va te battre contre Karzoun, va! Bonne chance, Marzak. Adieu, Eldor. Vite, sortez ici. Il y a une bombe. Vous n'avez que très peu de temps. Courez vite vers la surface. Allez, faites vite, allez-y. Vous voulez mourir ici? C'est votre vie qui est en jeu. Allez, courez! Où est le panneau de commande? Ah, là-bas. Je ne peux pas arrêter toute la séquence, mais je pourrais peut-être la ralentir. Tout ce que je peux, c'est gagner du temps. Qu'ils auront assez de temps. C'était à nous qu'elle était destinée. Oh là là, il s'en est fallu de peu. Ah oui, je suis vachement content qu'on soit arrivé à sortir de là. Attends, hein. C'est Marzak que nous devons remercier, les amis. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Nous approchons de la phase d'insertion orbitale. Lecture confirmée. Séquence de tir accomplie. Nous sommes prêts à tirer. Prêts, les amis, on arrive. D'accord, on y va. Plein gaz, on les aura. Comment peuvent-ils être vivants? On dirait que mon plan n'a pas très bien marché. C'est ta faute, misérable crétin! Vite, guerriers, à vos postes de combat! Vite! En train de perdre mes avions, mes bons sangs. Il n'y a pas d'avion dans l'espace, monseigneur. Ne me contredis pas, imbécile.
Parez à faire feu avec les canons à neutrons. Élévation, alignement, coordonnées. Attention les amis. Ça va les ralentir un coup, ça. On n'a pas encore dit notre dernier mot. C'est une arme intéressante. Mais il est une bonne fois pour toutes. Mes amis, à l'attaque. D'accord, Eldor. Karzoun, ton heure a sonné. Mais tu es un sorcier, ma parole. J'ai survécu. Et maintenant, tu vas payer pour ta traîtrise. Nia ! Je vais te mettre en pièces. On verra bien qui est le plus fort. Épargne-moi, s'il te plaît, gentil monstre, je n'ai pas fait exprès de l'aider. Si, je jure, tout ce que j'ai fait, c'est d'obéir aux ordres, il m'a forcé, je vous jure, c'est vrai. Si, c'est vrai. Mène-moi à Marinam. Nous y voilà. Ah, tu croyais m'avoir, hein? On ne peut pas s'échapper de ce cachot. Inutile d'essayer. Cette fois, Karzoun va être fier de moi, pour une fois. Allez, Pantera! Saute! Ah, oh, non! Comment est-ce qu'ils font ça? Tu voudrais bien le savoir, hein? Ha ha!
Maintenant, tu es pris, Eldor. Maintenant, je te tiens, Eldor. N'en sois pas si sûr. Et où je suis maintenant? Ici? Non, erreur, là, je suis. Et moi, ici. Cours autant que tu voudras. Ça ne servira à rien. Mais j'ai une surprise pour toi. Maintenant, je connais ton identité véritable. Meurs, je ne t'ai rien. Non, non, non. Karzoon, encore un pas et je te tue. Karzoon, tu as tué mon père. Je ne te laisserai pas tuer à nouveau. Traître! Meurs! Victorieux. Ouais! Ce criminel a enfin eu ce qu'il méritait. Mais vous avez beaucoup changé. Je ne suis que Jack O'Neill, tout simplement. Merci, Jack. Je retournerai à Tao Ceti, mais je vous garderai dans mon cœur. N'aimeriez-vous pas revenir pour mieux connaître la Terre? J'aimerais bien, mais je veux revoir la planète d'où je viens. Et je dois rendre la forteresse sidérale aux autorités responsables. Mais je veux vous laisser quelque chose. Je vais vous rendre votre superpuissance grâce à Pantera. Oh! J'ai confiance en vous pour l'utiliser toujours avec sagesse, toujours au service de la paix et de la justice. Maintenant, il est temps pour moi de partir. Merci, Marinam, pour tout. Au revoir, Jack. Je reviendrai sur Terre un jour pour vous voir, avec Pantera. À bientôt! Au revoir! Salut! Au revoir! À la maison.